voici à Cannes pour le site ecocoiffure.com. Nous sommes ici pour le shooting de l'album de tendance automne-hiver 2010. Nous allons rencontrer Thierry Porphyre, le directeur de production, pour qu'il nous explique les petits secrets de fabrication. On y va. Vous avez engagé une équipe complète, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. Nous avons effectivement pour cet album toute une équipe autour de nous. Donc d'abord une styliste qui a travaillé très longtemps pour Chanel, qui continue à travailler mais de façon ponctuelle pour Chanel, qui est aussi devenue une créatrice d'accessoires de mode. Pour compléter l'équipe, nous avons une maquilleuse qui est souvent présente sur les tournages de la région de Cannes. Bien sûr avec un coiffeur, Joss Pilon, qui a supervisé tout le travail de coiffure, de coupe et de coloration présent dans l'album. Et pour finir et pour photographier tout ça, un photographe qui a beaucoup de talent. Alors, les albums sont à destination des grossistes et des coiffeurs ainsi que de la clientèle ? Les albums sont effectivement à destination des coiffeurs. Mais pour les vendre, nous avons un réseau de distribution qui passe par des grossistes sur la France et par des agents à l'étranger. Alors, dans combien de pays Ecocoiffure est-il diffusé ? Alors, Ecocoiffure aujourd'hui est diffusé dans presque 15 pays dans le monde, alors principalement sur le continent européen, mais aussi sur le Liban, sur Israël et sur le Canada. En quoi Ecocoiffure souhaite-t-il se démarquer ? Alors Ecocoiffure est déjà différent au niveau du magazine puisque nous sommes le premier et le seul magazine diffusé sur la totalité de la cible des coiffeurs sur la France, à plus de 60 000 exemplaires. Donc nous tenons à nous appuyer sur cette force pour proposer et pour montrer aux coiffeurs que notre prochain album sera vraiment un outil indispensable pour pouvoir proposer à ses clientes des changements de look et des nouveautés.